Kawit et ses environs, soyez les bienvenus. En ce jour commémoratif du 9e anniversaire de la mort du camarade révolutionnaire Mouammar Kadhafi, nous voici rassemblés une fois de plus pour célébrer la mémoire de nos leaders africains à l'instar de Oumyobé, Sékou Touré, Thomas Isidore Sankara, Patrice Lumumba, pour ne citer que ceux en général, en particulier Mouammar Kadhafi. Tous ces leaders africains ont été tués parce qu'ils ont osé protester contre l'impérialisme international ou le néocolonialisme, revendiquant la gouvernance de l'Afrique par les Africains. Africains, lèvons-nous comme un seul homme pour dire non au néocolonialisme, non au franc CFA, non à l'exploitation de nos sous-sols par les puissances étrangères. En effet, revendiquons le rêve africain avec vigueur et bravoure. Comme la Libye à l'époque du colonel Kadhafi, nous souhaitons que l'Afrique s'élève comme un seul État où existera un système médical gratuit pour tout Africain, peu importe sa classe sociale, non pas d'un système médical comme le nôtre qui garantit les meilleurs soins aux plus nantis. Nous rêvons d'un système scolaire gratuit, c'est-à-dire maternel, primaire, secondaire, universitaire et spécialisation. Bref, une éducation accessible à tous et pour tous. Nous rêvons d'une Afrique où l'eau potable sera disponible gratuitement. Oui, nous rêvons grand, car l'Afrique a toutes les potentialités. Nous rêvons d'une Afrique où chaque Africain sera propriétaire d'un domicile et ceci soit considéré comme un droit fondamental. Nous rêvons d'une Afrique possédant 100% de ses droits de banque. Nous rêvons d'une Afrique possédant sa propre monnaie. Afrique, ceci te paraît impossible, mais nous croyons en toi. Fais comme pour ceux d'entre nous qui ignorent encore ce rêve. À l'époque du colonel Kadhafi, ce rêve fit réalité, raison pour laquelle l'armée du diable l'a assassiné. C'est ce qui est de leur tradition où à chaque fois qu'un chef d'État africain est sur le point de sortir sa population de la pauvreté ou de s'émerger, il est automatiquement mis sur la liste noire et est assassiné. Trop c'est trop. Nous, la nouvelle génération, dite génération consciente, devra être debout pour dire haut et fort, plus jamais ça. Nous avons mal. Voyons ce qui est devenu aujourd'hui la Libye. Chers et sœurs, le Mali, rappelez-vous de la Côte d'Ivoire, à l'époque du grand panafricaniste Laurent Gbagbo, notre Afrique est prise en otage par des hommes en col blanc et les alliés qui se prennent pour des demi-dieux qui ne veulent que leur intérêt. Nous ne sommes contre aucun blanc. Nous sommes contre un système mis en place depuis 1960 qui vise à persécuter l'Afrique. Ce système s'appelle ce qu'on appelle la France-Afrique, mis en place par le général de Gaulle et son bras droit Jacques Foccart. Nous disons non à ce système. Que nos chefs d'État africains savent également que nous ne sommes pas contre eux, mais contre la malgouvernance, contre les mauvais accords avec ceux qui nous ont utilisés et qui continuent à nous traiter comme des sous-hommes. Nous leur demandons d'être plutôt aux côtés des peuples que d'être aux côtés de l'Occident pour les intérêts. Pour finir, chers camarades révolutionnaires, mesdames et messieurs, en cette journée où l'Afrique toute entière célèbre l'assassinat de notre guide révolutionnaire, nous, la section MJP, qui est le mouvement des jeunes panafricanistes et le comité révolutionnaire international du Cameroun,
devions être unis pour gagner le combat face à l'obscurantisme et au néocolonialisme occidental. Ensemble, nous serons forts. Abat le néocolonialisme. Abat le néocolonialisme. Abat les ingérences des Occidentaux dans les affaires intérieures de l'Afrique. Abat les chefs d'État africains complices du néocolonialisme. Abat. Vive le comité révolutionnaire international. Vive le mouvement des jeunes panafricanistes. Vive l'Afrique. L'Afrique libre ou la mort nouvelle. Infanta! 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 Allah! Mama! Olivia Bas! Allah! Mama! Olivia Bas! Allah! Mama! Olivia Bas! Allah! Mama! Olivia Bas! Les petits esprits parlent de personnes, les esprits moyens parlent d'événements, les grands esprits parlent naturellement d'idées, mesdames et messieurs. C'est dans cet ordre d'idées que nous nous sommes rassemblés, ou encore nous sommes déportés ici à PK8 en ce jour pour rencontrer un groupe de mouvement qui naturellement défend l'idéologie du guide libyen, qui est bien sûr Mouammar Kadhafi. Vous vous rappelez, c'était le 20 octobre 2011 qu'on assistait à l'assassinat de ce grand homme, du guide libyen, mesdames et messieurs. Et depuis son départ, on n'a pas abandonné. Il y a des personnes qui ont dit non, on ne pourra pas laisser passer d'une façon inaperçue ou encore mourir l'œuvre de ces grands hommes. C'est une très bonne revendication. C'est pourquoi un mouvement est mis sur pied et je m'en vais à présent tendre le micro à l'un ou encore à un membre fort, maillon fort du mouvement. Salut. Merci, chers camarades révolutionnaires. Merci de m'avoir accordé le micro. Nous sommes le 20 octobre. Cette journée marque le 9e anniversaire de l'assassinat du guide libyen, le révolutionnaire, l'homme qui on avait l'espoir sur lui. Ce 20 octobre 2011, cet homme tellement visionnaire fut assassiné par les diables donc, de l'OTAN. Voilà, excusez-moi d'abord pour la présence. Je suis Fabien Koumtoy, étudiant en master en histoire à l'université de Douala. Alors, ici, nous défendons des idéologies africaines parce que cette idéologie a été déjà tracée par nos leaders, à savoir Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, etc., Sékou Touré. Alors nous ne suivons que leur pas. Ce mouvement qu'on appelle Comité de la Renaissance internationale est partout en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Ici au Cameroun, nous sommes, bien que ce mouvement n'est pas encore reconnu, mais nous ne baissons pas les bras, nous sommes en train de vouloir foncer pour défendre l'Afrique de l'obscurantisme. Parce que nous constatons que le néocolonialisme n'est pas encore terminé, ça continue, ça poursuit son chemin. Voilà Fabien, est-ce que du vivant du guide libyen, vous aviez déjà l'idée ou vous défendiez déjà cette idée? Exactement, parce que Mouammar Kadhafi fut un espoir pour l'Afrique. Mouammar Kadhafi fut un espoir pour l'Afrique parce que quelqu'un qui n'avait pas besoin d'un secours occidental, voilà aujourd'hui quand on constate que dès l'assassinat de Mouammar Kadhafi, la Libye devient comme une poudrière. La Libye est actuellement comme une poubelle. Voilà, on regrette totalement Kadhafi. Et cet homme, où normalement certains de nos chefs d'État devront le suivre, le soutenir, malheureusement, ils ont préféré emboîter les pas de ces diables, qu'on les appelle, que je les qualifie de diables, l'OTAN, l'armée de l'OTAN, et avec ses complices. Voilà, je crois que Kadhafi fut un visionnaire. Voilà. Et ce mouvement, c'est national ou c'est international? Si oui, comment est-ce que vous faites pour communier avec les autres? Le mouvement, il y a ce qu'on appelle mouvement des jeunes panafricanistes qu'on appelle le MJP. Il y a également le mouvement de renaissance international. Le mouvement, il y a les Africains de la diaspora, il y a les Africains de l'Afrique centrale, il y a les Africains de l'Afrique de l'Ouest, de partout. Ce mouvement est ici pour défendre l'Afrique. Ce mouvement n'est pas pour tantôt peut-être lutter contre, combattre les Africains, voilà, le panafricain, voilà, c'est une idéologie panafricaniste, voilà. Donc, je crois que, comme je l'ai dit peut-être quelque part, que certains de nos chefs d'État ne pensent pas qu'on est en train de lutter contre eux, mais nous luttons contre la mauvaise gouvernance, l'ingérence de ces Occidentaux dans les affaires intérieures. Laissez l'Afrique aux Africains, voilà.
Maintenant, ça fait combien de temps que votre mouvement ici est mis sur pied? Ça fait combien de temps que ça vit? Je crois que ici, ça date déjà depuis, je crois, bientôt 3 ans que le mouvement est déjà mis en place, même s'il n'y a pas encore un statut officiel. Mmh. Le mouvement est déjà en place parce que depuis 2018, on avait déjà célébré le 7e anniversaire. Mmh. En 2019, on a encore célébré le 8e anniversaire. Nous voici encore aujourd'hui en train de fêter, donc de célébrer le 9e anniversaire de la mort du guide libyen. Mmh. Voilà. Donc c'est un mouvement qui est en train donc de prendre l'envol. Voilà. Mmh. Et on compte combien de membres au sein de votre mouvement? Les membres, je crois qu'ils sont là parce que bon, on ne peut pas les dénombrer parce que c'est tellement, comme je vous ai dit, c'est un mouvement qui n'a pas encore des statuts, qui n'est pas encore totalement reconnu de manière officielle. Mais nous sommes en train de faire de notre mieux pour que le mouvement soit installé de manière conforme, totale. Voilà. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez un cadre où vous siégez? Vous avez un cadre déjà bien calé? Voilà, je crois qu'ici, moi, comme je ne suis pas tellement du milieu, bon, je peux dire, parce que je crois que j'ai à mon côté M. Paulin, qui je le considère comme le coordinateur, parce que je l'appelle le coordinateur du mouvement ici au Cameroun, précisément dans la ville de Douala, c'est M. Paulin, qui, c'est lui qui m'a donc mis en contact avec un frère du côté du Bénin et où on est en contact, en collaboration avec lui. Voilà, je considère que ce monsieur Paulin qui coordonne donc les actions ici à Douala, je crois. Et pensez-vous à la matérialisation des idéologies que vous défendez? Comment ça va se faire? Vous pensez à comment? Vous trouvez comment? Le mouvement, je crois qu'on a dit que... Pour que ça prenne mayonnaise, pour que ça prenne feu, pour qu'on comprenne, pour qu'on puisse vite quoi, que ce soit palpable. Comment pensez-vous dans 1, 2, 3 ans de rendre palpables les idées que vous défendez? Je crois que seule la détermination détermine notre condition, parce que quand on est déterminé, on ne peut pas donc en aucun cas, aucune chose peut nous empêcher. Voilà. On peut donc jusqu'au boutiste. On peut donc aboutir. Mmh. Seule la détermination. Mmh. Je lance un appel à tous ceux qui rêvent d'une Afrique libre de se joindre à nous. Parce qu'il y a beaucoup de camarades qui nous ont dit que votre mouvement n'est que un mouvement qui n'a pas de sens. Mais j'ai dit que non. C'est un mouvement, nous, ici, c'est un engagement personnel. Ce n'est pas ici où on est rémunéré non plus. Ici, c'est un mouvement, un engagement. Quand tu es conscient des conditions de l'Afrique, tu es conscient de la situation de l'Afrique où l'Afrique est toujours en arrière-plan, je crois que tu dois t'engager sans qu'on ne te dise, soit on ne te rémunère. Voilà. Merci Fabien. On va tendre le micro à Paulin. Paulin, comment faire pour être membre de votre mouvement? Comment intégrer le mouvement? Déjà, je vais dire bonsoir à toute l'Afrique. Et déjà, un bonsoir particulier encore à toi, mon frère. Vous m'honorez vraiment de votre présence ici. Bon, voyez-vous, le mouvement Comité de la Renaissance Internationale, abrégé CRI, ici au Cameroun aujourd'hui, pour que nous puissions faire en telle sorte que ça décolle. Je pense que c'était ça ma question. Tout à fait, ouais. Ok, comme le frère a dit tantôt, ce n'est que la détermination qu'il faut. Parce que quand on est déterminé, rien ne peut nous empêcher. Et déjà, pour que ces choses soient réalisées, il faudrait qu'on arrête d'être en arrière-plan, de passer à l'insensibilisation, déjà que c'est ce que nous faisons ici au Cameroun. C'est ça en réalité la première phase, de sensibiliser, de voir au maximum, d'avoir au maximum de personnes pour le moment, et tout cela va suivre parce que... Oui, comment faire pour intégrer votre mouvement? Je,
Est-ce qu'il y a quatre membres? Je dis encore, notre mouvement, nous ne demandons rien. Kadhafi était universel. C'est pour cela que vous nous voyez aujourd'hui, nous avons essayé d'importer ce mouvement chez nous. Le mouvement est universel. Et je pense que s'il y a 70 personnes, bien 100 personnes en Afrique, je pense que 60 ou bien 75% des Africains revendiqueront les idéologies de Kadhafi. Vous comprenez? Donc ici chez nous, un membre du comité de la Renaissance internationale n'a besoin de rien. Nous n'avons que besoin de dévouement de tout chacun et de sa détermination. Les portes sont ouvertes à qui veut rejoindre notre mouvement. Donc on n'a pas besoin de cartes de membres, on n'a pas besoin, juste sa personnalité, sa détermination et sa volonté pour faire partie des nôtres. Ok, votre quotidien, vous passez comment avec les autres membres, donc ceux qui sont déjà du mouvement, votre quotidien c'est comment? Bon, le quotidien... Ou encore des moments de rencontre où vous rencontrez essentiellement le 20 octobre? Non, pas du tout, pas le 20 octobre. Vous savez, actuellement, même au Cameroun, nous avons prévu de faire beaucoup d'autres choses, mais la situation actuelle du Cameroun ne nous permet pas un peu d'aller au-delà. Donc, vous voyez, la situation du corona et tout, ça nous empêche actuellement. Nous sommes un peu, comme tout le monde d'ailleurs, nous sommes restrictions et tout, comme vous le dites. Donc, je pense qu'après cela, nous pourrons aller étendre notre mouvement un peu de partout. Et déjà que cette année, aujourd'hui, s'il n'y avait pas tous ces petits problèmes que je viens de citer là, il y avait au moins 300 jeunes Camerounais qui devaient nous rejoindre aujourd'hui, venant un peu déjà de partout, donc du nord au sud, de l'est à l'ouest, et que nous attendions en ce 20 octobre d'aujourd'hui. Bon, mais hélas, comme on dit chez nous, tout ce que Dieu fait est bien, donc on ne va que honorer la mémoire du guide en ce jour et avec fierté et avec détermination. Vous voyez, nous sommes presque une dizaine, donc c'est déjà quelque chose. Non, ici c'est pas là-bas, là-bas n'est pas ici. Vous faites comment pour vous communiquer entre vous? Non. Parce que c'est que dans votre mouvement, c'est demain, il y a des personnes qui s'expriment en arabe, d'autres qui s'expriment en chinois, je sais pas. Oui, vous savez, ici au Cameroun, on s'exprime le plus souvent en français. Bien sûr que le Cameroun est bilingue, mais on préfère le français. Et l'arabe encore, c'est un peu difficile. Et beaucoup de gens me demandent toujours pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs mouvements dans ton pays. Tu ne t'es pas intéressé, tu vas aller gérer un mouvement arabe. Non, je les ai toujours dit, les Arabes, ce sont les Africains, ce sont nos frères. Kadhafi, à un moment donné, il a demandé qu'on puisse se marier pour qu'on élargisse un peu tous ces horizons-là, pour que l'Africain se sente bien chez lui, chez lui et partout. Donc, c'est ça en fait la réalité. Justement, je demande donc, comment est-ce que tu sais déjà déchiffrer, je veux dire, la langue des Arabes? Parce que je sais, forcément, ce que nous faisons ici, il y aura peut-être un rendu quelque part, ou encore le rapport à donner quelque part. Comment vous communiquez? Non, exactement, actuellement, nous communiquons, vous voyez... on a un responsable parce qu'actuellement nous travaillons avec l'Union des tribus libyennes. Plus précisément la famille de Kadhafi, de sa tribu quoi. Donc nous avons été confrontés à un certain nombre de problèmes avec des agents doubles qui nous ont fait bosser déjà et actuellement qui nous traînent un peu dans la boue parce que d'aucuns se sont mis un peu plein dans les poches et aujourd'hui ils veulent nous jouer un sale tour. Bon, mais la jeunesse africaine a pris les choses en main. Vous me voyez, je suis jeune. C'est le responsable du Bénin est jeune. La responsable du Niger est jeune. Partout, c'est la jeunesse africaine qui a pris les choses en main. Et nous travaillons en étroite collaboration, comme je le disais, avec l'Union des tribus libyennes. Après ce que nous sommes en train de faire là, et nous allons, et vidéo et compte rendu, nous allons le leur envoyer pour qu'ils puissent partager ça au sein même de la Libye et au sein de nos frères qui sont un peu repartis dans le monde pour que le message puisse être véritablement mise en circulation pour que tout le monde puisse savoir ce qui se passe chaque le 20 octobre. Parce que ça, le chantier ne fait que commencer et nous ne
ne comptons pas nous arrêter là et nous allons aller de l'avant. Bon, revendiquer l'idéologie de Kadhafi, c'est représenter en quelque sorte Kadhafi. Toi, en tant que Kadhafi au Cameroun, je voudrais que tu regardes la caméra et que tu t'adresses à la jeunesse africaine et la jeunesse camerounaise en particulier. Merci. Jeunesse africaine, fille comme garçon, il est temps que la jeunesse se lève. Il est temps que la jeunesse... Je ne te sens pas comme une personne un peu touchée. Il est temps que... Vous parlez comme une personne qui est mal à l'aise. Non, je suis très mal à l'aise. Il est temps que les jeunes africaines se tiennent la main. Il est temps que les populations africaines comprennent que ce n'est qu'ici, en Afrique, que nous pouvons être bien. L'Europe nous a tellement menti. Les colons nous ont foutus dans la merde. Pourquoi est-ce que, jusqu'en ce 21e siècle, nous nous marions avec nos frères blancs, nous allons dans les mêmes universités, nous fréquentons les mêmes lieux. Pourquoi est-ce que l'Africain ne peut-il pas sortir de cette emprise du néocolonialisme? C'est ma seule question que j'aimerais vous poser à vous, jeunesse africaine. Maintenant, je vais rentrer chez moi-même au Cameroun. Jeunes frères et sœurs, le Cameroun nous appartient. Nous n'avons pas deux pays. Les conflits internes n'ont jamais rien payé dans aucun État. Nous avons vu la sécession aux États-Unis. Au finish, les États-Unis se sont ralliés et ils ont formé un très grand pays. Le Cameroun, je le dirai encore, va rester un pays de paix, un et indivisible. Et nous vous demanderons, nous, les membres du comité de renaissance internationale, nous ne vous obligerons pas à vous joindre à nous, mais nous vous exhortons que le Cameroun n'est pas à jeter d'un revers de la main. Nos enfants y vivent, nos parents y vivent, nos familles y vivent. Si le Cameroun est détruit demain, nous serons, ou bien nos familles vont en pâtir. C'est le message que je peux vous passer. Et sur ce, je pense à nous revoir le 20 octobre 2020. El Fata! El Fata! El Fata! Dia Maria! El Fata! Dia Maria! El Fata! Allah! Mama! Holy Dabas! Allah! Mama, Olivia Bas, Allah, Mama, Olivia Bas, Allah, Mama, Olivia Bas. Libérez l'Afrique! 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 Voilà, merci Fabien, merci Paulin, merci également à l'assistance. J'espère qu'on est ensemble. J'aimerais encore entendre un peu de cri là, un peu de cri aussi. Alpha! 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 Allah! Mama! Olivia Bas! Allah! Mama! Olivia Bas! Allah! Mama! Olivia Bas! Allah! Mama! Olivia Bas. Mesdames et messieurs, vous avez compris, Kadhafi, il est parti. Donc, il est parti d'une façon pas normale, mais comprenez que ses œuvres demeurent encore intemporelles parce qu'il y a des personnes qui sont en train de défendre partout dans le monde entier. Vous avez compris, ils ont la rage. Il faudrait qu'on libère l'Afrique. Il faudrait également qu'on libère tout. Il faudrait que l'Afrique se sente véritablement indépendante. On est ensemble. Et à très bientôt. Merci de rester scotché sur MyFrica TV. Ciao.